Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai reçu le courrier de Ivana, donc de Iva Passion. C'est pour l'échange Fliptag que nous avait proposé Lola de ZL Création. Donc l'échange du mois de juillet qui, ce mois-ci, était un échange de Fliptag. Donc vous avez eu, il y a quelque temps, la vidéo de ce que j'ai envoyé à Ivana. Dans cette vidéo, je vous mettais le lien vers sa chaîne et également le lien de ce qu'elle avait filmé lorsqu'elle avait reçu mon envoi. Donc là, je vais découvrir son envoi. Je pense que celui-là, c'est le flip tag. Et il y a des choses à côté. Je vais commencer par les choses à côté pour me garder le meilleur pour la fin. Donc là, nous avons dans une enveloppe blanche une carte. Donc la carte avec un papier avec des feuillages dorés. On ne voit pas trop si on le voit quand même doré. Avec des cœurs, des strass en forme de fleurs. Et un sticker shaker qu'on a eu chez Action avec une plante grasse, donc un cactus en forme de cœur, je cherchais. Donc voilà. À l'intérieur, il y a son petit mot. Elle me dit « Coucou Claire, comment vas-tu ? Voici le flip tag suite à l'échange comme convenu. Il n'est pas aussi gros que le tien, mais j'espère qu'il te plaira. En tout cas, c'est avec grand plaisir de faire cet échange avec toi. Gros bisous, Ivana. » Donc écoute, Ivana, ce qui compte, ce n'est pas la quantité. Ce qui compte, c'est le plaisir et l'amour que tu as mis dans ce que tu as fait, en fait. Moi, je ne regarde pas la grosseur des envois. Je regarde avant tout s'ils ont été faits avec cœur, s'ils sont beaux et ainsi de suite. Parce que c'est ce qui compte avant tout. Le scrap, c'est le partage. Elle m'a mis une planche de stickers. Vous savez, ceux qui sont un peu comme du tissu. Donc, celle-ci, de mémoire, je crois que je l'avais déjà. Mais de toute façon, les stickers, c'est pas perdu. Parce que quand on utilise un, autant avoir une deuxième planche. Donc, c'est très gentil de ta part. Je te remercie énormément. Donc, voilà. Et elle m'a mis un sachet de découpe. Alors, excusez-moi pour le bruit. Là. Là. Donc, je vais tout sortir. Et je reposerai ça après sur l'emballage. Donc, déjà, elle m'a mis des bordures. Avec une perforation de bordure en point et une autre en pétales de fleurs. Donc voilà. Ah non, 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 c'est même pas ça. Alors là, franchement, merci Ivana. Je vous explique, je viens de me rendre compte. Il y a des rainurages, des traits de rainurage sur toutes ces bandes. En fait, elle m'a envoyé ce qu'elle a... Elle a reçu, elle avait acheté le dice pour faire des rosaces en fait. Et elle m'a envoyé des bandes toutes prêtes pour faire les rosaces en question. Donc, elle m'a envoyé de quoi faire une rosace. Je te remercie énormément. Ce dice, il faut vraiment que je me l'achète parce que on passe un temps fou à faire les rainurages. Si on a un petit décalage, c'est pas toujours très régulier, c'est pas toujours très joli. Une fois qu'on a fait le rainurage, sur la planche de rainurage, au moment de plier, c'est pas forcément très droit. Alors que là, franchement, bah, tout y est, quoi. Puis c'est fait, on le met dans la machine, deux tours de manivelle, c'est fini. Donc, ouais, je vais me le commander, mais en attendant, bah, je vais pouvoir me faire une rosace. Une superbe rosace, en plus, avec des découpes de bordure superbes. Je te remercie énormément. J'adore, j'adore, j'adore. Franchement, sur le moment, j'avais pas vu. Puis c'est quand j'ai vu les petites lignes, là. Donc, bah voilà, quoi. C'est... J'ai pas vu le reste, mais je suis déjà aux anges, quoi. C'est mon cadeau de Noël avant l'heure. Ensuite, elle m'a mis. Donc, ça, c'est comme des bobines, vous savez, pour mettre des rubans avec une petite perforation ici pour pouvoir le soit attacher avec un ruban, soit passer un anneau et l'intégrer, par exemple, dans le flipbook. Hein, on peut très bien voir ça comme ça. Donc, si tu m'as envoyé les découpes... Bah, je te remercie énormément. Peut-être que toi-même, tu as pensé à mon idée. Après, c'est pas moi qui l'ai inventé. Hein. Je l'ai vu sur une vidéo il y a
Oh, il y a plus d'un an maintenant, parce que c'est une chaîne qui ne fait plus de vidéos depuis de nombreux mois. Donc voilà, et je trouve ça superbe. Quand on fait des envois pour n'importe qui, en fait, on peut mettre des rubans, des choses comme ça, c'est magnifique. Donc je te remercie énormément. Et il y en a également des petits. Attends, je prenne que les découpes. Est-ce que je les ai toutes prises? Oui. Donc il y en a d'autres. Donc c'est la même chose, mais en petit. Donc elle m'a mis. Alors, je ne vous ai pas fait voir tous en même temps. Les papiers ne sont pas les mêmes, vous voyez, dans plusieurs papiers. Celui-là, elle m'en a mis deux dans le papier orange comme ça. Et deux dans ce papier-là. Donc les papiers sont magnifiques et les découpes sont très intéressantes, on va dire. Ensuite, elle m'a mis des découpages de cadres comme ceci, des carrés, des rectangulaires, dans différents papiers. Non, d'ailleurs, c'est le recto verso. Donc voilà. Encore des rectangulaires. Oh là là, tout ce que tu m'as mis. Ça, c'est des tamponnages, des tamponnages. Excusez-moi, ça dure un petit peu, mais je découvre, hein. Donc, une petite étiquette. Une autre dans un autre papier. Encore une dans un autre papier. Et elle m'a glissé également les carrés qui sont de la découpe du milieu, en fait. Donc voilà, et ceux qui sont là. Donc ça peut servir de petite étiquette pour mettre quand on met un sentiment, on peut le glisser en dessous. Donc c'est parfait. Donc il y en a encore une là. Tac. Et il y en a encore une là. Voilà. Ensuite, elle m'a fait des découpes de feuillage. Là, il faut vraiment que j'investisse. Moi, je n'ai pas de. J'ai des dies fleurs, mais je n'ai pas de dies feuillage. Il faut vraiment que j'investisse parce que c'est vrai que c'est magnifique, quoi. Donc, elle m'en a fait trois dans deux papiers différents. Ensuite, elle m'a fait deux flèches avec un cœur pour la pointe. Ce n'est pas les mêmes, hein, vous voyez? Donc, voilà. Après, ce sont des tamponnages. Donc en tamponnage, nous avons. Ouh là là, fou. Ça en fait des tamponnages. Donc il y a un moment de bonheur, bulle de bonheur, la vie est belle, tendre moment, tabouille à croquer. Alors celui-là, les deux différents styles de police, j'adore, sur un papier irisé. Prise avec un vrai appareil photo, souvenir, être ensemble, encore être ensemble, encore prise avec un vrai appareil photo. Tout à l'heure on avait tendre moment, maintenant on a doux moment. Être ensemble, le mot famille sur une étiquette en forme, j'aime bien cette forme en fait, avec un fond noir, des tags. Pour mettre comme une étiquette en fait, donc un en papier craft et deux en papier blanc, mais celui-ci il est irisé. Donc voilà, un tamponnage cactus et un tamponnage coquillage. Donc voilà, ça en fait énormément de choses. Vraiment, merci, merci, merci beaucoup, c'est superbe. Ensuite, oh, je suis en train de coller du scotch sur ma feuille qui me sert de fond. On va la mettre là. Donc, elle m'a mis ça dans du papier crépon. Oh là! Eh ben, il est magnifique. Donc, avec un joli ruban blanc. Voilà. Ensuite, alors, est-ce qu'il y a un sens? Oui, c'est dans ce sens-là. Donc, avec un anneau. Le premier tag est décoré avec un tamponnage rond, la vie est belle, un papillon qu'elle a monté sans coller les ailes pour qu'il fasse 3D, des strass, un cœur, n'importe quoi, un nœud papillon avec au centre un cœur, cette fois-ci c'est bon. À l'arrière, elle m'a mis des découpages.
Donc la pochette, un sticker love, un strass ici, un sticker 3D Sweet Earth, et le papier est superbe. Donc c'est le même papier que les autres découpes en fait. Donc le découpage, nous avons des papillons. Voilà, attendez parce qu'il y en a un qui s'accroche à l'autre. Donc ce ne sont pas les deux mêmes, hein. On voit aux antennes et puis découpe des ailes. Celui-ci dans un autre papier comme celui-ci. Et celui-ci également. Oh, le papier est beau celui-là, regardez. Avec des ailes, avec des reflets. Donc voilà, quatre papillons. Je vais les poser là. Le suivant. Donc elle m'a mis des découpes, enfin des découpes, des chipboards en bois. Là, c'est un oiseau. Là, c'est un banc. Des strass. Du washi de différentes couleurs avec des flèches. Et le tamponnage instant inoubliable monté en 3D. Au dos, il y a une enveloppe avec un sticker 3D en flèche et un autre marqué Forever. J'ouvre l'enveloppe. Des découpages. Alors attendez, je sors tout. Oh, mais il y en a. L'enveloppe n'est pas grande, mais alors tu l'avais bien remplie. Donc nous avons une découpe ronde comme ceci. Nous avons des feuillages en tamponnage. Je ne vais pas y arriver. Attendez, je vais poser parce que d'une main, ça ne va pas être évident. Donc des feuillages comme ceci. Voilà. Des fleurs comme ceci. Elles sont belles ces fleurs. Et regardez celles-ci comme elles sont belles également. Sont superbes. Et d'autres ronds. Donc comme les précédents, le premier, mais de différentes couleurs. Celui-là, il est pailleté. Celui-là, il y a du foil dessus. Ils sont magnifiques. Le même, mais plus grand sur un papier rayé rose et vert. Celui-ci, il y a des triangles qui sont pailletés. Et celui-ci avec le crantage tout autour. Donc voilà. C'est superbe. Merci beaucoup. Sur ce tag ici, avec les fleurs qu'il y avait dans l'enveloppe, c'est magnifique. Un strass goutte d'eau ici. Tout est monté en 3D avec un rond marqué Love of My Life. Décidément, pourtant pas bu ce matin. Hein. À l'arrière, nous avons trois enveloppes décorées. Elles sont belles. Hein. Oula. Donc là, Xoxoxo avec un strass. Là, Today's the Day avec un sticker 3D cœur. Là, Tendre Moment avec un strass. C'est beau, hein. Là, merci beaucoup parce que moi, les enveloppes, j'arrive à faire les enveloppes, les mini-enveloppes, mais je ne sais jamais comment les décorer en fait. Le tag suivant, donc il y a un magnifique tamponnage de fond, des demi-perles, des strass, des fleurs montées pour faire un 3D avec un strass, la découpe oiseau sur son branchage et le mot. Just the way you are. Excusez-moi de l'accent, hein, je ne suis pas comme beaucoup d'ailleurs. Oh, c'est superbe. Waouh. Ça, c'est pareil. Il faut absolument que je l'achète. Je l'ai repéré sur Ali. Et sincèrement, il est dans mon panier, mais je ne l'ai pas encore acheté en fait parce que bah, j'ai fait pas mal d'achats au mois de juillet et je veux compter attendre le mois d'août. Et puis, j'aimerais bien qu'il arrive en dehors de mes congés. Mais c'est ce dies-là avec les tickets, je trouve ça superbe. Il est vraiment bien découpé. Là, ici, c'est juste près. C'est comme s'il y avait des petites impressions. Et là, ils sont vraiment bien faits, en fait. Tout est fait en une seule fois, au lieu de s'amuser à le faire, quoi. Et dessus, elle m'a mis des stickers 3D, des tamponnages, des fleurs avec des strass. Encore un tamponnage là. C'est magnifique. Là, sincèrement, regardez. La petite bobine. Donc, tu y as pensé. La petite bobine avec du ruban. C'est un ruban dans un léger violet. Qui est très, très beau.
Puis il y en a une bonne quantité, hein. Donc tu as eu la même idée que ce que je disais en début de la vidéo. Donc voilà, je suis pas la seule, hein, je vous le disais. Voilà. Le suivant. Oui, c'est ça. Il y a un sticker shaker. Les découpes dentelées. Des stickers 3D. Le mot bonheur découpé lettre après lettre. Vous n'êtes pas dans le champ. Des strass. Et au dos, elle a mis un moulin à vent et un cœur 3D avec un pliage. Regardez-moi ça, on dirait une fleur. Non, celui-là a été écrasé, mais on dirait vraiment une fleur. C'est superbe. Donc le cœur est comme ça, il est vraiment magnifique. Bah, je te remercie beaucoup parce que moi, ça, j'arrive à faire des cœurs, mais ça avec le pliage comme ça, c'est superbe. Merci, merci, merci. Oula. Le suivant, donc une fleur en papier un peu comme c'est beaucoup plus fin que du papier, c'est un peu plus épais que le papier filtre à café, donc je sais pas comment il s'appelle ce papier, avec une demi-perle, un napperon qui recouvre les deux côtés par la moitié, un découpage en toile de jute avec un sticker 3D dessus en forme de fanion. Au dos, elle m'a remis des cœurs avec les fleurs qui sont pliées. C'est superbe. Là, sincèrement, une autre petite bobine avec un nouveau ruban. Il est superbe également. C'est un petit liseré bleu clair sur un fond blanc. Ces bobines, elles me plaisent. Le tag suivant. Donc un fond fleuri avec des strass, un sticker 3D, un rond avec des paillettes et un papillon. À l'arrière, elle m'a mis un moulin à vent avec une demi-perle. Le suivant, une découpe fleur avec des strass et un sentiment tamponné qu'elle a monté en 3D. À l'arrière, elle m'a remis des enveloppes. Donc, je vais essayer de vous les mettre plutôt à l'endroit. Voilà. Elles sont belles, tes enveloppes. Hein. Sur celui-ci, donc nous avons un paperclip en forme d'enveloppe. Attendez, je vais mettre plus loin, vous allez mieux le voir. Voilà. Trois petites fleurs avec des strass, des tags montés en 3D. Une découpe et un nœud stickers en 3D et un petit cœur en demi-perle. Au dos, elle m'a remis, là franchement, c'est tout ce que j'aime ce que tu m'envoies, sincèrement. Donc elle m'a remis des découpes des tickets, du die, ce que je vous disais. Regardez comme ils sont beaux. Je vais vous en faire voir un. Regardez la découpe que ça fait. Là, avec ce petit liseré poinçonné tout autour, il est magnifique. Donc, elle m'en a mis dans quatre papiers différents. Je fais attention en le manipulant pour ne pas les découper. Voilà. Ils sont beaux, hein. Sincèrement, c'est magnifique. Je vais avoir dit au moins le mot magnifique pour le mois, je crois. Donc voilà, et le dernier tag, donc devant elle a mis deux bannières, un cœur demi-perle, un sticker monté en 3D, enfin un sticker 3D et un autre sticker 3D en forme de nœud. Et à l'arrière, des cœurs, une étoile et le tampon de Iva Passion Création Maison en 3D. Donc voilà, donc tu me disais que tu espérais que ça me plairait, sincèrement, waouh quoi, juste waouh, c'est... J'ai plus de mots, j'ai dit plein de choses déjà pendant la vidéo. Mais sincèrement, c'est... Waouh! Donc voilà. Je te remercie énormément. J'espère que vous aurez tous aimé autant que moi l'envoi de Ivana. Donc de Iva Passion. Donc elle a une chaîne YouTube, c'est Iva Passion, et un Instagram, c'est Iva Passion 30.
N'hésitez pas à aller voir, à vous abonner parce qu'elle est vraiment, elle fait des choses magnifiques. Donc voilà. Je te remercie énormément et je vous dis à bientôt. Au revoir.